Le groupe Holmarcom confirme son engagement dans le mécénat en faveur de l'art et de la créativité artistique. Après l'exposition inaugurale Marhaba, dédiée à l'art de la maison en février dernier, la Galerie H accueille 4 nouveaux designers marocains, 2 femmes et 2 hommes sélectionnés dans un souci à la fois de variété d'expression et de parité. La nouvelle exposition est ouverte du 14 novembre 2015 au 12 mars 2016 avec un thème particulier, inspiration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes très heureux de participer à cet événement à la Galerie H pour le groupe Holmarcom où nous avons fait une exposition en collectif avec donc 4 designers sur le thème du voyage et de l'artisanat marocain à travers le monde. Donc l'entreprise Médine Diva, Marie Duret et Rally Darnaoud qui fait, nous travaillons en binôme. Et on a fait toutes sortes de pièces, donc diverses matières créatives. Telle une caravane nomade en marche vers de nouveaux horizons, les créateurs d'aujourd'hui poursuivent leur parcours en quête de découvertes, d'aventures, d'autres cultures, de nouveaux visages. Artisans, céramistes, sculpteurs ou fashion designers, ils jettent des passerelles entre les régions du Maroc et le monde, traçant des pistes nouvelles entre racines locales et métissage. Tous les architectes, tous les designers ne peuvent pas s'en passer de mettre une touche marocaine dans la création de leurs œuvres. C'est une touche qui est belle, fascinante, qui s'impose. Je remercie la Galerie H parce que pour moi, elle est une locomotive qui fait partie d'un train qui, après le départ en 2007, lors de la signature du contrat programme Vision 2015, avec la volonté de contribuer à révéler et faire éclore de nouveaux talents, la Galerie H du groupe Holmarcom nous fait découvrir 4 profils d'artistes contrastés, reflets de la diversité et des potentiels du design et des métiers d'art au Maroc. Sur mes créations, j'ai essayé d'appliquer ou introduire l'identité marocaine sur pas mal des objets. Je prends un exemple aussi, mon beau tarbouche, le smiley marocain, qui est devenu très connu, d'ailleurs déposé. Et qui est partout, je ne vais pas dire que sur le Maroc, mais il est partout dans le monde.